Alors bonjour à cette petite famille qu'on vient de découvrir dans une super forêt d'eucalyptus à Atlantis. Aujourd'hui c'est une collecte citoyenne de déchets, mais je voudrais vous parler, du moins faire une interview spécifiquement à quelqu'un qu'on connaît déjà, qui est déjà venu à la dernière collecte citoyenne de déchets. Oui. Donc comment tu t'appelles? Esilda. Ok, et tu es venu avec qui? Je suis venue avec mon beau-papa et ma maman. Ok, et donc là il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que vous êtes l'équipe qui avait le plus ramassé, je vois, de déchets. Oui. Incroyable. Oui. Bon alors dis-nous, pourquoi? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Eh ben parce que j'ai envie de nettoyer la planète et j'ai envie que ma maman elle m'explique de tout. Et je suis trop contente de revenir ici avec vous. Oh super, c'est super gentil. Donc nous on est l'association Plastique Pick-up. Les informations elles sont sur le site internet Plastique Pick-up. Je vois que tu as déjà enlevé ton gilet, mais c'est pas fini. Hein? Ça s'est enlevé tout seul. Il s'est enlevé tout seul. Oui. Ok. Est-ce que tu as envie de dire un message aux autres? Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message aujourd'hui? Eh bien, arrêtez de jeter les déchets parce que moi j'en vois que je ramasse tout. Quand par exemple des bouteilles à peu près d'alcool ou quelque chose comme ça. Je ramasse des cigarettes. Bon, pas grave si mon gilet est enlevé. Et après, je ramasse des bouts de papier, je ramasse de tout. Ok. Non, mais c'est incroyable tout ce que vous avez ramassé. Et donc là, tu dis, faut arrêter de jeter, quoi. Oui, faut arrêter de jeter. Faut arrêter de jeter par terre, quoi. Parce que, regardez la belle forêt derrière. Vous imaginez la forêt en train de manger nos déchets, nos plastiques, quoi. C'est pas cool, quoi. Oui, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais en tout cas, moi, je voulais te remercier d'être venu avec ta famille. Mmh. Je fais juste un dernier gros plan. Mmh. On se fait un petit coucou à la prochaine. Donc, j'interviewe pas tout le monde, parce que c'est aujourd'hui, c'est toi qui avais décidé de parler. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, à la prochaine.